aangeboden door de Ravensburg Iso Charles. Eerstreeks tot dit. Iso met 1-8 sportdubbel aan. 7 jaar. De hoofdtrainer van Anna Verstaan, Wurstenslaag op FNS. Iso John van Hessel 4-8-0. We zeggen iemand discipline in die. Dat is zeggen we van 8 tot 3 in die tot de stand in 21, zegt de regisseur de Liepassen. De Duitsland, die zomer samen met de Nijsval, die had er mee tot de eerste keer zo'n van Murdersoon, Hessel, die had er ook. Maar CG zet de richting in, we hebben in alle drie disciplinische punten gedaan van weer het achterpunt. En ze al veranderen, graag. Oordeel is prachtig van deelwegens techniek. Stap ruim op achter berg op de schoor. En zie je dat hij handkracht beweegt en die instellingen bereikt waar hij het kan verbeteren. Zijn talent voor de rest van de al in de praktijk. Volgens 4 jaar heeft zij hem op de Europese Wedstrijdscompetitie. Het verzerde kampioen in het Algarve KNVS Regiekampioenschap. Zet er ook voor het Indo-kampioenschap nu in het. Op aangeval is Iso bijzonder verschijning. Wij hebben zien een doel gemaakt, de sterke zet nieuw in de competitie van het afgelopen jaar in de spakte. Zichtbaar met naam kiezen, spakte de rugging en gaan de tijdstal horen ze klaar. Wens de Iso met 1-8. Bonjour, désolé pour ce petit retard, les toilettes étaient plus loin que prévu. Alors, on est arrivé à la rubrique numéro 5, où on va sélectionner les étalons inscrits dans le studbook et qui ont été approuvés à partir de la saison de reproduction 2021 et 2022. Les premiers poulains de ces étalons sont nés en 2023. Après ces sélections ici, l'examen central sera le deuxième examen, donc on va attendre tranquillement comment se présentent ces étalons de 3 ans dans 2 ans. La prochaine étape. Premier cheval dans cette rubrique qui va quitter la piste est Friso 518. Sport triple A, il a 7 ans. L'éleveur, c'est madame et le propriétaire, madame P. Onama Hoekstra à Hoorn ce soir. Il est un descendant de Hesso 480, Ster Yes 433, Ster préférant Anton 343, Pédigré 121. Il a été approuvé à l'automne de 2020. Performance dans le sport, dressage Z1. Et attelage limite classe. Friso 518 est comme Béant 517 qui est parti au Mexique, un des premiers fils admis, fils de Norbert Sohn. Oh, pardon. Alors, Friso est le fils de Norbert, ainsi que Béant 517, qui est parti au Mexique. Lors des tests de performance, il s'est fait remarquer par un engagement excellent. Ça lui a rapporté dans les 3 disciplines un résultat de points de plus de 80 points. Et ce qui fait de lui un vrai cheval polyvalent, notamment au trot.
Les talons montrent un joli image avec beaucoup de puissance et beaucoup de technique de mouvement. Son pas est ample et son galop est plein de puissance et montant. Au niveau de la reproduction, il peut améliorer la morphologie, la puissance, les techniques de mouvement, son engagement et également la facilité à travailler ce cheval et donc ses progénitures. Son talent pour le dressage a été vu déjà en 2021 lorsque Friso a gagné en tant qu'étalon de seulement 4 ans avec sa cavalière Henny Ruffo. La compétition Young Frisian Dressage. Il est également devenu vice-champion dans le championnat de dressage Oracoca FPS. En février 2022, il a inscrit le championnat intérieur indoor à son nom et seulement un mois plus tard, il était vice-champion sur les championnats nationaux à Ermelo. En attelage, Friso 518 est également une apparence remarquable. Ensemble avec Sibren Minkma, il a gagné la compétition 2023 des nouveaux arrivés. Dubbel aan, Alger is 8 jaar, ja dat was het dit jaar. Bob doorgaat Boersma, de van Rijn Rozen en ook van de KC Advance, Stal Sherlock. Alger, zoon van Hanke 482, daar sterkt Dubbel aan en van Wielster 463. Dat versterkt van Jasper 366 op de stap 8, Z2 Versuur. De eerste goedkeurde zoon van Hanke. Als Woordsmaker Wielsen een alledaagse afstamming die resulteert in de berekende landschappercentage, altijd interessant. Percentage 7,34. Als drie jaar gelegde algemene een prima testdag van 88 punten. Hier ook in het onderzoek gedaan op vanwege de maanden, ruime stap en drang. Rustig meer karakter. Rijpaard als netpaard en talent. En zo de verstap 8. Dit zijn Moerlijn, Stijn, Pommerdeel en nog een paar medies. Keurig zwaar lang verlengd, drafruim van Roedekrachter met een ruimtelijke pressen. En een zeer goed gebruik van het voorbeen beschikbaar meestal. Sharon, Jarmet, Lengste, Alger, Rijn, Zwitte. Come on.
Was de weg de Niesport, dubbel aan, was de Zeeuwenhout. Wat bij de UBD, wat bij Dornstek en naar Ernie Bosse, Ben en Aanburg. Was de Johan Maurits, 37, een model dubbel aanmerking van Hansen, 425, en dan Sterk en van Leffert, 306. Komt uitstand op de 15, zet 1 uur. 17 winstpunten, Zielens, Rotterdamer, Sterk, Gebouwde Hengst. Was verrichting stoppen van het centraal onderzoek in 21. 86 punten voor de Rijnhof, 82 voor de Wendhof, 95 voor de Tuinhof. Haalde de centraal aan de kaart van Bakker. Kracht, succes in al zijn bewegingen. Met Parijs Boris, op de Vlaamse Kral, voor het naam van de Vries en Tellenkuk en met op de Netflixen reis, kampioen bij het KMTG kampioenschap afgelopen jaar. Veel talent voor de sporters, dat combineert hij heel fijn met een evenwichtig karakter. Constante prestatie, grote zakstand 115. Dan terug op een fraaie sterk op een moederlijn. En de model is helemaal aanmoedig van Hartse, die twee lijf, gevolgd door vier generaties sterk tweeën de mens. Schrikbaar bij handels- en exportstalde Hurker en bij de Jeugdelingen terug langs weg 2-3. Sport dubbel A, 7 jaar, en optreden dan Paus 5-2-3. Rubik aangeboden door Tweespan Ruitersport, Friso Zamos. Dan hebben we de presentatie van de herren bij
2022 als ook de algemeen kampioen, vorig jaar zelf kampioen, Jong Hengsten, 6 jaar oud. Koppelijk van de Winnie de Wies, Hinderlopen, ook nog de eigenaren, Herkens en Zoon van Namen 392, verstandig penny van Render 452, dan de modelsportpenny van Onne 376, komt uitstand bij 10 en 1 blessure. Oude bekende van Nieuwpunten, Foxlaan, Pontherren, hele fraaie Rustic Designs, je ziet het, Wilburgvlag, de Fonds, heb je het onderzoek. 2022 gekomen, deed het prima erin. Zo dus van Namen uit de Benny van Rijnburg heeft als grondcoureur worden als sportbenny, die de heer de halsuur is van de IJssel 489. IJssel uit het sportieve stad. Koelsenhoofdkaarsje voor de wagen. Als Ben en Tuigpaard kan hij veel expressie zien in zijn beweging lichtvoetig. Eigenschappelijk mee, de verrassing was 2 jaar geleden de IJssel keuring. Daar is hij algemeen kampioen. Voorgangers zeggen kampioen bij de Jongensten. Hurdens tegen een goed te scoren. Centrale keuring Hengsten kampioen was een zoon van Herren. Deze minister was op de ronde in de Lieberingshow. Hele koppel hier gezamenlijk in de baan. Schipbaar bij de stand van de kabinet Sint-Johannesga. Herren bij de vierde kampioen van 2022. Piso Zadels zal meer dan 30 jaar de ripstapels worden handgemaakt in Engeland. Ze hebben hoogste kwaliteit. Ze hebben zich door veel schouderbreiheid, ruimte bij het tussenkanaal en qua wachtwoord geschikt voor alle soorten paarden. Piso Zadels die vanwege de goede afwerking mogelijkheid tot zelf samenstellen en zeer comfortabele zit. Welkom op Piso, dan hebben we in alle regionen van recreatief tot de dom die het Piso Zadels heeft. Wat is CK Heng? Waarom staat hij weer niet aan? Wat is dat CK Hengst? Centrale keuring. Oh. Triple A. 6 jaar wordt zien in april. Van 2 weken. Holten. Enkel van de koers van Manen. Ede. John van Hente. 481. Aan de kloon. Verlaan Mary van Alwin. 469. Dan Sterre. Mary van Aartsen. 425. Voor de stap 117. En 1 blessure. 2 van de 6 Hengsten. Hier staat hij erbij. Naar KVS Stammerhengst in 2021. Die
En piste actuellement, Hillbrand 525, triple A. Il a 6 ans. Éleveur, c'est W. Bunt, basé à Holton. Et le propriétaire, les frères van Manen à Ede. C'est un descendant de Hette 481 et Alwin 469, Kroon double A et Ster Heidse 425, pedigree 117. Inscrit en 2021. Le résultat en sport dans le dressage classe M1 et lors de l'inspection centrale en 2021, Hillbrand 525 Triple A a été un des 6 étalons qui avait fait la promotion vers KFPS, étalon Studbook. Hillbrand 525 a montré qu'il est un bon cheval et polyvalent. Et ce qui se fait remarquer, c'est surtout son pas qui est ample et dans une bonne cadence. Et on en est très content dans la reproduction de ce cheval frison. En attelage, ce fils de Het 481 montre également un talent. Et cela a été remarqué lors de l'inspection générale à Exlo, où également son apparence de étalon s'est fait remarquer. Pour Hillbrand également, les premiers poulains sont nés en 2023. Et ils montrent tous une tête remarquablement noble et des encolures positionnées verticalement. Le pas est puissant et ample, le trot en montant et avec beaucoup de souplesse et un bon positionnement des postérieurs. Oh, on arrive au tout dernier étalon. Et ça veut dire donc la fin de ces journées d'inspection. Et on va révéler le champion. Entre en piste, Rosse 526, triple A, il a 6 ans. Élevé chez Alain de Carabit-Marsen, propriété de M. Kleinsra-Groningen, descendant de Nana 492, Ster préférant Brest-BA 411 et Ster Prev-Lever 306, provient de Pédigree 25, admis depuis l'automne 2021. En dressage, il a obtenu la classe L2 plus 15 points. Cet étalon est un étalon qui a une envie de travailler tous les jours à plus de 100%. Il est extrêmement gai et attentif. En dehors du fait que Rosse actuellement se présente en dressage, il se présente également dans l'attelage ou lors des épreuves de sélection du Horse to Fly KFPS compétition de sport, il a obtenu le plus grand nombre de points. Et si vous étiez déjà là hier, ou si vous avez suivi peut-être sur la télévision en ligne, vous avez pu voir qu'il était il est devenu aussi champion hier dans toutes les catégories de la compétition sportive de Horses to Fly. Et il a obtenu ce résultat
ce championnat dans les classes 4-5 des étalons de 6 ans. Et il a reçu la trophée Steenen Hinder. Ces poulains sont apparus l'année dernière sur pas mal de sélections et se sont fait remarquer. Et plusieurs ont même obtenu le championnat. Lors de la sélection, la sélection centrale, un poulain jument de Rosse est devenu vice-championne. Les poulains de Rosse 526 se remarquent par un mouvement facile. C'est ce que dit le rapport. Ils ont un pas ample et bon, avec beaucoup de liberté dans les épaules. Le trot a de la longueur et puissant en montant. Et les antérieurs sont bien placés. Rosse est un étalon avec un dos longiligne, moderne et une apparence très imposante. Il provient de la ligne Vesta du pédigré 25 et sa mère préférante Ster de 19 ans a mis au monde 14 poulains, dont un étalon sport élite. Rosse provient donc d'une ligne forte de juments, dont provient également l'étalon Hinne 427.
Dansstuur mag weer eens kant komen. Friso even deze kant op. Fouke even deze kant op. Algeren en deze kant op. Komt er weer aan in de buurt. Bij 2-5, misschien nog even deze kant komen. Robots. Ja, we moeten al zeggen, dames en heren, de kunst op zich, ik zeg dat we die mathematische spel hebben, alle dingen. Kom eens naar de stad bij, hè? Kom, door stad. Mensen, de jury is er daar tot op de plaats. Dames! Voilà la décision. Heel brand, 502. Dan Herre, 502. Ensuite Herre. Gosse, 502. En Gosse, 526. Suivi par Alge, 522. Fouke, 523. Oh nee. Fouke, 520. Friso, 518. Et Faust, 523. Rubrique sponsorisée par Twee Swan Ruitersport et Celle Le Friso. Je donne la parole à Sabine Zwara. Merci Bert. Dernier groupe d'aujourd'hui avant le début des championnats. Placé en tête, Heerbrand 525. Très très bel étalon avec un port résolu, plein de puissance. Avec bonne cadence et une bonne portée. Et beaucoup de facilité. Heerbrand 522 en tête. On continue avec Herre 524 qui a une apparence très jeune. De bonnes jambes. Et notamment au trot. Avec une très très bonne portée et une belle transition. R522, pardon, 524. On arrive chez Rosse. Rosse qui déjà hier a été remarquable. Assez de cadence dans le pas. Parfois il recherche son équilibre au trot. Rosse 526. Dan Alger fait un progrès vraiment très joliment au fur et à mesure qu'il progresse. Au début, un peu de difficulté à trouver sa place, mais plus tard dans le groupe, vraiment à sa place. Beaucoup de souplesse et surtout lors du deuxième tour. Next, let's feel a little.
on arrive chez Fouque 520, un cheval avec beaucoup d'allure, manque un peu de conviction aujourd'hui dans le mouvement, mais un très très bel étalon. Puis Friso 518 avec une morphologie très élégante. Il faut trouver un peu plus de balance dans le trot. Numéro 5, Friso 518. Oh. En last but not least, again, Faust 523. Een echt vaderdier, een hengst met een koninklijke uitstraling. En een hengst die in beweging iets meer mag overtuigen. Maar wat staat hier een vaderpaard? Faust 523. Faust 523 manque un peu de conviction, mais alors un bel exemple des chevaux frisons. Alors il me reste de vous donner le choix de sélectionner Hilbrand et Herre pour le championnat. Et Rosse va également être référé pour le championnat. Merci Sabine. Non, super, donc prends deux mais trois étalons pour le championnat des jeunes étalons. Hilbrand, Herre et Rosse vers le championnat. Quelle belle musique! Allez, on va mettre l'ambiance avant les championnats. Vous avez pu les admirer déjà lors des soirées spectacles. Messieurs, dames, accueillez-les avec un applaudissement énorme. Otvendo! Thank you.